Quand j'avais 18 ans, avec Yves, on est allé voir une voyante qui s'appelait Madame Zerakian, qui était très populaire. Ensemble, vous avez été la voir? Oui. Oui, bon. Je ne sais même pas s'il y avait déjà Pierre Berger, hein. Je ne me rappelle pas très bien. Elle habitait rue Maubeuge dans un entresol en folie 15. Elle était turque d'origine, avait des grands yeux turquoises, une femme énorme mais fascinante. Et tout ce qu'elle m'a dit est arrivé. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit à Yves, c'était moins gay à la fin. Bon, elle a eu raison ce côté-là. Et... parce qu'Yves, ce n'est pas du tout la personne torturée qu'on nous montre et tout. C'était un garçon rigolo, amusant, avec beaucoup d'humour et tout. Moi, je suis toujours fasciné parce qu'on raconte sur lui et tous ses démons et tout. Moi, je n'ai pas connu cet Yves-là. Il était marrant comme tout, avec des plaisanteries plus que douteuses et tout. Alors, moi, le côté je pleure sur le tapta, moi, je n'ai pas connu celui-là. C'est une autre personne. Et la voyante, elle vous a dit quoi? Attendez. Alors, elle m'a dit, votre succès, c'est à venir. Je vois tout multiplié par... des milliers d'exemplaires dans la mode. Ça veut dire de prêt-à-porter, mais à l'époque, elle ne savait pas formuler, elle ne connaissait pas ce mot, ni rien. Bon. Je vois des livres et des livres et des livres. Et des images et des images et des images. Ça ne me disait pas grand-chose. Bon. Et elle m'a dit tout ce que j'ai fait aujourd'hui, d'une façon tellement précise que c'est même effrayant dans un sens, mais tout est arrivé. Et la dernière fois que j'ai eu un contact avec elle, j'étais dans ma voiture avec mon expert comptable et un chauffeur, parce qu'il y a des témoins, il faut des témoins. Le téléphone sonne. À l'époque, il y avait des téléphones dans la voiture, c'est pas comme les portables aujourd'hui. Hein. Il y a déjà presque 20 ans de ça. Elle me dit, vous êtes avenue Paul Doumer, vous allez chez votre avocat qui était avenue Suffren. Oui, c'est vrai. Bon. Vous allez signer un contrat, bon, il n'est pas génial, mais vous pouvez le signer. Mais page 7, il y a une faute. Et ça peut se retourner contre vous. Et il y avait... mais, bon, j'ai raccroché, je trouvais ça insensé. On a relu le contrat, effectivement, il y avait une faute de frappe, page 7, qui fait que ce n'était pas à mon avantage. Quand je voulais la rappeler pour la remercier, elle était morte. Vous ça, y croyez ou pas, mais c'est vrai. Ça veut dire que vous, vous y croyez forcément? Eh bien, j'aurais tort de ne pas y croire, puisque tout est arrivé. Vous avez plus de succès aujourd'hui que jamais, en fait. Oui, mais ça, elle me l'avait dit. Hein. Qui est la voyante? C'est même incroyable. Mais elle vous a dit quoi précisément? Eh bien, elle me dit, vous, ça va en s'augmentant, tout. Le succès, la réussite, la renommée, le travail, tout. Et elle m'a dit de ne pas prendre le transport en commun, mais je ne risque rien dans les voitures et dans les avions. Donc je préfère aller à pied s'il n'y avait pas d'autres moyens. C'est drôle ça, non? Et une fois que j'ai pris un bus... après qu'elle m'avait dit ça, il est rentré dans un autre bus et je me suis fracassé le genou. Donc elle n'avait pas tellement tort. Hein. Et ça, c'est la réalité que vous me racontez, là, Karl. Oui. Ce n'est pas une légende que vous construisez. Non. Mais moi, ma réalité me paraît très naturelle pour moi. Mais peut-être j'ai perdu le sens de la réalité ou de la réalité des autres. Mais moi, je vis ma vie, je ne vis pas la vie des autres. Hein. Je ne fais rien par rapport aux autres. Je veux que tout le monde soit content et heureux, moi y compris.